L'idée, c'est qu'on procède en trois temps successifs. Je vais d'abord vous présenter un certain nombre d'éléphants d'information sur ce qu'on appelle la loi NOTRe, Nouvelle Organisation Territoriale de la République, bon, ça qui a été voté sous la précédente mandature et qui engage désormais toutes les collectivités locales dans un processus de rationalisation, à transférer les compétences au cas d'espèce d'eau, d'assainissement, également de déchets, qui étaient parfois de compétences communales et déjà très souvent de compétences intercommunales, de les transférer désormais au plus tard au 1er janvier 2020 à ce qu'on appelle un EPCI à fiscalité propre, ça commence, voyez, c'est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Donc c'est le processus en cours dans lequel vous êtes engagé, un peu à l'insu de votre plein gré, et qui a comme borne limite au plus tard le 1er janvier 2020. Alors, au cas d'espèce, j'avais demandé aux organisateurs que je remercie parce que je trouve que c'est très parlant. Vous avez ici la manière dont jusqu'à présent était gérée l'eau et l'assainissement dans chacune de vos communes. Donc vous voyez que c'était un mode de gestion d'organisation publique ou privée qui différait dans chacune des communes. Avec, par ailleurs, pour ce qui était des services délégués, des dates de fin de contrat qui diffèrent, ce qui pose donc d'ores et déjà la question de savoir comment, dans une optique de rationalisation, si la communauté de communes va s'emparer de ses compétences, qu'est-ce qu'elle va faire des différents contrats en cours? Donc ça, on verra ça tout à l'heure dans le détail, mais il y a une relative complexité dans votre cas de figure précis. Complexité qui se double d'une forme de dépendance de votre communauté de communes vis-à-vis de syndicats extérieurs en matière de production d'eau, parce que chacune des communes n'a pas forcément de ressources en eau, et pour celles qui n'ont pas de ressources en eau sur le territoire communal, ben les constructions historiques institutionnelles de votre service d'eau ont fait qu'elles ont été s'approvisionner auprès de deux syndicats extérieurs qui sont eux-mêmes en délégation de services publics auprès d'une entreprise, une filiale régionale de la Lyonnaise des Eaux que je connais un peu par ailleurs. Donc il y a une complexité supplémentaire. Donc c'était ça un peu pour la présentation. Bon, sinon je me présente brièvement, je m'appelle Marc Lémé. Je, à titre professionnel, j'exerce depuis 15 ans des activités de conseil auprès des collectivités locales en termes de choix du mode de gestion. Après, dans des vies antérieures, j'ai été journaliste pendant très longtemps, donc j'ai développé cette activité depuis une quinzaine d'années dans un concours de circonstances tout à fait fortuit. Et j'ai également des activités de formation, j'écris des livres. Ah bon, je m'occupe d'eau, assainissement 24h sur 24, et, enfin, j'exagère un peu, mais une bonne partie de ma journée, l'essentiel de mes jours. Et comme il y a énormément d'évolutions institutionnelles dans la période, ça m'a conduit à faire ce qu'on appelle de la veille, c'est-à-dire de surveiller de très près tout ce qui se passe dans le domaine réglementaire, encadrement, nouvelles, etc. Et c'est un peu le condensé de tout ça que je vais vous présenter donc en trois séquences successives. Alors encore une fois, ne vous inquiétez pas si ça paraît très technique, très pointu, etc. L'idée, c'était un peu de vous permettre d'ouvrir la boîte noire, parce que c'est vrai que c'est très compliqué, au plan réglementaire, au plan juridique, au plan financier. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas tellement l'aspect technique, c'est-à-dire assurer une eau potable de bonne qualité, qui est difficile. La difficulté là, pour des collectivités qui sont confrontées à ce transfert forcé de compétences, c'est de pouvoir en maîtriser toutes les composantes institutionnelles, juridiques, financières, etc. Et c'est ça qui pose énormément de problèmes à toutes les collectivités en France qui sont confrontées à ça aujourd'hui. Et c'est assez important de savoir que dans la période, il y a énormément de communes, de maires qui se sont rebellés contre ce transfert forcé. Avant les élections présidentielles, il y a un projet de loi qui avait été déposé par le principal conseiller de M. Fillon, M. Bruno Retailleau, et qui avait été adopté par le Sénat avant la présidentielle et qui supprimait le transfert forcé de compétences WANOT au assainissement du 1er janvier 2020. Alors évidemment, comme vous le savez, depuis, le gouvernement a changé. Donc ce projet de loi qui avait été voté au Sénat a dû, dans la procédure parlementaire normale, être présenté à l'Assemblée nationale. Et bien évidemment, la majorité actuelle a purement et simplement balayé ce projet de loi. Mais la fronde des élus sur ce terrain, comme sur d'autres, continue. Et on va en voir les manifestations la semaine prochaine quand M. Macron
très courageusement va aller s'exposer au Congrès des maires de France. Je ne suis pas sûr qu'il soit très bien accueilli. Et le 5 septembre dernier, Madame Gouraud, qui est ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, a fait une intervention à Nantes devant le congrès de l'ADCF, l'Association des communautés de France, dans lequel la question est à nouveau revenue sur le tapis. Et aujourd'hui, pour ce qui concerne l'aspect purement réglementaire du transfert de compétences Manotte au 1er janvier 2020, les dernières prises de position officielles du gouvernement confèrent les paroles de Madame Gouraud, c'est de dire qu'on va regarder ce problème, essayer d'introduire un peu de souplesse. Bref, donc ça peut encore évoluer, mais pour l'instant, il n'y a aucune position officielle de remise en cause véritable du transfert de ces compétences au 1er janvier 2020. Donc, votre cas d'espèce, la procédure est déjà engagée, il y a déjà des débats, etc., etc., au niveau de votre commune, au niveau de votre interco, donc ça va se faire. Alors maintenant, c'est pourquoi ça va se faire, comment, est-ce qu'il existe des marges de manœuvre, quelles sont les précautions à prendre pour que ça se fasse en respect de l'intérêt général, ce qui n'est pas toujours le cas, et c'est ça qu'on va essayer de regarder jusqu'à présent. Donc, première présentation sur la loi NOTRe elle-même, d'où ça vient, pourquoi ça se fait, comment. À l'issue de ça, on pourra faire une petite pause, échanger, questions-réponses, et si sur ce volet-là, vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas à m'interpeller, et je vous répondrai très volontiers. Donc maintenant, j'espère que, comme ce n'est pas mon ordi, je ne vais pas me tromper.